tout le monde, on est reparti sur Zampirceur, on continue la route avec notre bon vieux train. Et comme toujours, merci pour tous les commentaires et conseils que vous laissez sous mes vidéos. Et merci pour tous les pouces bleus, ça motive tellement. Alors, on a déjà fait 3 zones, on s'attaque à la 4ème. Hugo a dit dans les commentaires qu'il y en a 6 au total. Et cette 4ème a l'air d'être la plus difficile de 6. Donc ça promet, on va voir ce qui nous attend. Apparemment la zone va être bien sombre. On va donc devoir installer de la lumière dans le train et améliorer notre robot si on a assez d'électronique pour poser une lampe. On va voir ce que l'on peut faire. Alors déjà, j'ai plusieurs lumières à l'étage. Je me demande si je peux en déplacer une, si je n'ai pas assez de ressources. J'en ai 3 ici, il m'en faudrait au moins 2 en bas. J'irai une là et une ici, ou alors sur les murs. Et je me demande quand est-ce qu'on va zoner. J'attends un petit peu que l'on zone avant de commencer l'amélioration du train, parce que je veux pas zoner pendant que je fabrique quelque chose. Je sais pas si ça va casser ou perdre des ressources ou quoi que ce soit. Donc ouais, je préfère être sûr. Bon. Alors, cette zone est censée être sombre. Voyons voir ce qu'il y a devant. Et... ouh, ok, il y a un tunnel. Alors, on va éteindre le moteur. Je vais pas freiner, je vais laisser le train avancer. Ça va me faire économiser un petit peu de carburant. On utilise l'inertie, voilà, ou l'élan. Super, donc je comprends. ouais, bon, alors, première chose, est-ce que je peux faire une lampe torche pour mon robot? Apparemment, c'est indispensable, de ce que j'ai vu dans les commentaires. Donc, on va regarder pour ça, lampe tourelle. J'ai dit lampe torche, tourelle torche. Voilà. Il faut du fer, il faut de l'électronique. On m'a dit qu'il reste de l'électronique sur... ah, ok, là, oh, il y en a 2. Génial, je vais pouvoir faire la lampe tourelle. Il va me rester un d'électronique. Est-ce que je peux combiner? Oh, je vais pouvoir les combiner, super. Alors, on ramasse... oh, génial. Non, c'est ça que je veux. Je veux... ça, et d'ailleurs c'est moi ou... ah non, okay, c'est bon, les... ah, okay, c'est là. Alors on m'a dit dans les commentaires qu'il faut montrer le robot qui attaque. Le problème c'est qu'il n'y avait plus de zombies dans la zone précédente, je suis désolé, on va voir ce que ça va donner dans celle-ci. Alors, il nous faut... ok, je vais mettre le mien en rien. Il nous faut ça, il nous faut du verre, et je crois qu'il me faut du fer. Super. Alors, lampe tourelle, en avant. Voilà, comme ça je vais pouvoir me soigner et éclairer apparemment. Maintenant on va les fusionner. Ah, il manque plus. Plus de ça. Ah, voilà, plus beaucoup. Ok. Fabriquer. Ah non, parce qu'il n'y a que un emplacement restant sur le robot. Voilà. Maintenant, on va poser ça sur les fesses. Hop. Alors, il me faudrait également ces améliorations. Est-ce qu'il est, il est clair là? Il fait pas. Il faut l'améliorer, je pense. Qu'est-ce que ça va me coûter les... mouvement du robot. Ah, de l'électronique, ouais, ça, au revoir. Maintenant, alors, appareil électrique. Il me faut du fer, du verre, et des... voilà, oh, ok. Ça, il va sûrement en falloir un petit peu plus de ça. Voilà. Ah, j'en ai encore là. 3, il y a un petit peu sur moi. Du coup, si je prends ça. Ah, pas de plastoc. Tac. Pas d'emplacement, pas bon. Pas bon, pas grave, on va essayer. Ah, je vais le mettre là. Alors, on va te mettre ici. Et là, on va voir si ça va suffire. Il me faut le marteau. Mauvais outil. Ah, il manque du bois maintenant. Ok, juste 2 de bois il me faut. Je crois que les ai eu les 2. Ah, j'en ai un autre, pas si je voulais. Voilà, avec on va avoir de la lumière là. On a déjà de la lumière dans le train lui-même. Enfin, dans la locomotive, pardon. Il y a également une lumière là qui devrait éclairer un petit peu ici, mais... et s'il le faut, je vais doubler. Hein. On va en mettre encore une là, une là-bas. Je sais pas quel est le... je vais pas t'allumer. On va voir. Est-ce que ça capte Ça allume pas là-bas. On va voir. J'espère que j'ai pas gâché. Merci. Ah, c'est ça la tête du truc. Ah. Ok, ok, alors bon, bah, je pense qu'on peut y aller, hein. Avant de rentrer dedans, pistolet, on va te mettre, on va garder le pistolet, alors on va vider ce que l'on a dans les poches, parce que bon bah, et on m'a demandé, enfin on m'a conseillé plutôt de faire les sacoches de cuir, car elles stockent 80 kg au lieu
de 50, ce qui est effectivement une bonne chose. Alors, je vais pas avoir assez pour toutes les faire, pour faire les deux, mais voilà, j'ai 5 de cuir. Alors, est-ce que j'ai besoin? J'ai pas besoin d'autres. Donc, alors, plastique et fer. Voilà. Il va falloir trouver 3 de cuir en plus. Pas de bol sur le cuir. Bon, le reste, on va le poser. Donc, le fer. Ça va là. Et on se prépare petit à petit. Le verre, je le laisse là. Plastique. Le bois, voilà. Où est-ce que je peux te poser? Oui, je peux te poser. Allez, sans bouger la caméra. Voilà. Le reste est bon. Où est-ce qu'on en est en eau? On a un petit peu soif et pas beaucoup. Donc bon. Alors. Tac. Tac. Pas besoin de autant de boissons. On va en poser 6. On en garde une. Voilà. Toi. Prends ça. On va poser ça. Super. Ah. Ok. Hop. Toi, tu vas. Est-ce que je pourrais te poser. On va te mettre là-haut. Parce que toi, t'es pas important. Ouais. Non. Là. Ouais. Voilà, ah bah c'est pas mal, pas mal. 80 balles, 175 balles, ça. Ok, super. Bon, on avance. C'est parti, je crois qu'on est bon, hein. Je peux rien faire d'autre. Et elle est à 75%, on sait pas s'il y a un obstacle devant nous ou quoi. Donc, on a pris un peu de temps, mais je pense que les préparations valaient le coup. Hein. Lumière. Non, c'est pas la lumière des... Ah oui, je sais pourquoi. Parce que j'ai pas fait la connexion au... J'ai pas mis d'interrupteur. Il me faut un interrupteur. Ok. Bon, on va freiner là. Voilà. Il faut l'interrupteur parce que j'ai peur de ce qui va se passer. Du coup. Voilà. Et pourtant, il faut quoi? I don't understand how Lewis's group lives here. Fer. C'est ça. Hein. On se rapproche. Voilà. Et voilà. Oh oh. Non, ah, j'ai cassé pas ma fenêtre. Elle est toute neuve, elle a pas encore servi. Du coup, je crois qu'on est bon. Ok. Voilà. Alors, on va éteindre. On va éteindre et on va voir à quel point il fait sombre. Donc apparemment, il y a du monde qui survit dans les tunnels. Hein. On va y aller plus lentement parce que je vois des choses de long. Et je vais pouvoir m'arrêter. Ok, ça sert à rien. Pour le moment, ça va, encore. Oh, ok. Là, un petit peu plus sombre. D'accord. Il se passe là-bas. Ok. Waouh, ok, là, sacrée différence. Hein. Du coup. Oula. Oula. Est-ce que la lumière m'indique... Oh, ok, il y a un zombie. La lumière m'indique probablement que l'on va s'arrêter pas loin. Ah, oh, ça va être terrible pour moi, on m'a dit que ça va être un labyrinthe, qu'il va falloir prendre photo des... les plans qu'il y a un petit peu partout. Oh là là, ça va être terrible pour moi. Moi, je peux pas mettre de phare devant. Je me dis que ça devrait être par défaut une lumière devant. Mais bon, là je suis pas dans la zone où on peut construire, je pense. Bon. Ah, ça passe là-bas. Est-ce que c'est un obstacle? Je sais pas trop ce que c'est ça. Ok, faut ralentir, mais on est déjà ralenti.
ralentir un peu plus. Je crois qu'il va falloir s'arrêter là. Je crois que c'est un zombie ça. Ouais, c'est du zombie. Ok, bon, on va déjà éliminer lui. Le premier monstre. Super. Bon, on va récupérer la flèche. On donne de l'eau. De l'air en eau. Il va bientôt falloir en boire. Est-ce que ça, ça se démonte? Ouais, ça se démonte. C'est du fer. Et là, je pense que je vais... Oh, oh. Et non, mais... Hey, stop. Ok. On va mettre le frein, parce que je sais pas si ça... Je sais pas ce qui se passe si on touche le... Ah, j'en ai réveillé un, ça. Ah. Non, mais... Qu'est-ce qu'on a fait, là? J'ai cru que ça avait annulé... parce que, oui, j'ai regardé ça, ouais, le E, là, pour descendre. J'ai cru que ça avait annulé l'action. Du coup, j'ai rappuyé, mais en rappuyant, ça a lâché la flèche. Oui, alors... est-ce que j'ai de la place pour passer, là? Ok, je pense qu'il vaudrait peut-être mieux reculer un tout petit peu pour que ce soit plus facile. On va reculer un tout petit peu. Hop. Voilà, pour pouvoir aller là plus facilement. On peut descendre par là. Voilà. Maintenant. Il faut une main vide. Ça, c'est dommage de devoir avoir une main vide. On va aller vers la gauche en premier, je pense. Voilà, maintenant. Ok, alors je pensais que c'était une lumière qui pointait dans une direction, mais en fait non, c'est une lumière qui, ouais, qui éclaire sur 360 degrés. Donc ça, c'est pas mal. On va prendre toi. Je pense que je peux mettre le marteau là, je pense pas avoir besoin de soins rapides. Qu'est-ce que tu me fais? Tu me fais pas peur. Si j'éteins ma lumière, oh, même sans ma lumière. Alors, ah. Je peux pas ouvrir. D'accord. Elle m'a allumé. D'accord. Est-ce que je peux récupérer? Je peux récupérer quand même les carreaux. Ou les, comment ils appellent les boulons, ça? Boulons de ferraille. Ouais. Je dois en faire un gros paquet pour lui, du coup, je me rends compte. Hein. Parce qu'il vise pas la tête. Oh oh. C'est bon. Ah, ah. Je suis coincé. Ils me font toujours peur, ceux-là. C'est incroyable, ils vont trop vite. Lui, il m'a bloqué. Ah, j'ai trop peur dans cet endroit. Les zombies sont toujours vraiment à côté, quoi. Alors, voilà. Ah, la tournée en rond, c'est incroyable. Du coup, deux chemins. Je sais pas où aller. Ah. C'est bon. C'est un peu la misère de récupérer les carreaux à chaque fois, par contre. Oh purée, mais il y a des chemins dans tous les sens. Voilà. Voilà. Je peux pas récupérer la flèche, ok. Ah, ça a l'air d'un cul-sac, parfait. Un chemin de moins à se rappeler. Ok. Ça, c'est tout bon, mais je voudrais l'électronique, s'il vous plaît, pour l'amélioration de mon robot. Hmm. Ok, on a des balles. Ah. Ok, il y a un gars en fait en bas. Est-ce que je vais pas essayer de visiter cet étage avant d'aller à un autre? Alors, hop. Ah, ok, alors ça. Hey, il a raté, je crois que le robot a raté. Ah non, non, j'ai rien dit.
suis coincé. Ouais, donnez. Je suis surchargé. Comment est-ce que je peux surcharger? Ok. Ah, on a eu du cuir, cool. Voilà, tac tac. Munitions pour pistolet. On n'a pas besoin d'autant. On va mettre moitié. Le reste c'est bon. 30 kilos sur 56. Est-ce que j'ai pas. J'ai monté le level. Hein. On va mettre ça en force. Vous entendez le bruit? Bon, maintenant je peux aller à combien? 60 kilos. 4 kilos par point de force. Alors j'ai entendu quelque chose de gros hein, là, donc shotgun. Oh non. Ok, suite. Il y a un qui balance du poison. On va dire dans les commentaires que le poison soigne les zombies. Ok. Alors, j'ai pas, alors je prends pas du côté droit, donc prends du côté gauche. Non. Ah. Tout a attaqué. Ok, ouh, de l'arme. Je pense pas que je vais pouvoir tirer la flèche au travers. Non. la question c'est ce que je veux là-dedans. Bah, vous savez quoi? Non, elle est plus embêtante que lui. Voilà. Je l'ai tué, j'espère. Ouais, je l'ai tué. Toi, tu me gênes là, va-t'en, va-t'en. Non, je l'ai pas tué! Non, mais pourquoi? Pourquoi ça tire? Ah, trop tard. Ouais. Je crois que je l'ai eu, mais. Voilà! Bon, merci le robot, il m'aide sur elle. Ok, c'est ça, il va peut-être se réveiller, on va récupérer tout ce qu'il y a sur elle. Il n'y a pas besoin de tirer sur ça. C'est dommage parce qu'il va tirer à chaque fois. On va pouvoir faire un plus gros nombre de carreaux. Ou de boulons, machin. On lui a pété son bouclier. Pas mal. Ça c'est bon. Ok, je vais attendre pour voir à la fin du médicament. Bon. Vous visez le mur? Ok. Ah. Alors. S'il pouvait ramasser ses propres balles, ce serait bien une amélioration, vous voyez, récolte de, de carreaux et tout. Mais là, ça va être un endroit affreux à visiter. Ça, c'est trop. C'est mon ennemi, ça, ce type de. Ah, qu'est-ce qu'il y a en message? Message urgent de lui. Un groupe de monteurs de ligne a accidentellement emporté les clés de l'entrée sud des tunnels et ne les a pas apportées. C'est l'autre côté, là où il y a le grillage. S'il vous plaît, envoyez quelqu'un de la garde à la salle de séjour inondée. Bon, quand même. Un double des clés est stocké dans un des casiers. D'accord. On vient de là-bas. J'ai déjà visité ça. Ouais, j'ai déjà visité ça. Le médicament ne fait plus effet. Oh, mince. Alors fais ton attaque double. Ah, le... Toi tu me provoques, tu veux m'éliminer, c'est ça? Tu veux être libre? À chaque fois il me fait avoir. Euh.
Oula. Ok, alors on m'a dit de prendre en photo ça. Alors je suis où? Ah, je suis là-haut. C'est ça? Ok. Ah, il faut descendre. D'accord. Et aller en bas. Je suppose la couleur, ça représente le niveau. Donc en vert, on est là où on est arrivé avec le train. Le train arrive là. En rouge, on descend. Donc je pourrais aller à droite. Puis après, il faudra aller vers la gauche. Ça, je sais pas ce que ça veut dire, ça. Là, là ça sûrement descend un peu plus. Oh, et mais... Ah oui, bah ils indiquent là le numéro, ok. Purée, alors il y a une clé là-dedans? Non. Y a rien du tout. Cette pièce, elle est juste là pour le... pour ça? Ok. Je voudrais juste quelqu'un être sûr. Ah, démonter, ouais. Alors besoin de fer, surtout si je veux renforcer notre train. Et on a eu du cuir. Oh, ces chaises donnent du cuir. Oh, génial. Donc je vais pouvoir... Je crois qu'il m'en manque encore une. Ouais, il va m'en manquer une. Bon, ça, on peut s'en débarrasser. Ok. Et on retourne. Là-bas. Pas l'air de... Je préfère gâcher une flèche sur lui que... À moins que je l'ai tué, je sais pas. Je crois que la flèche elle est dans le bras mais elle est passée aussi au travers du sol. Faut aller sur la droite. On va toucher le corps. Voilà. Couteau. Voilà. Ah, il a plus de bras. Merci le robot. Ah, je me coince. J'ai plus d'adhérence. Erreur. Très grave erreur. Faut que je fasse gaffe à ça. Je suis plus en extérieur, donc... Ok, j'en ai ramassé un. Ça, c'est bon, on l'a éliminé. J'aurais peut-être dû le laisser pour voir si... Oh, tu attaques d'ici? D'accord. Ah, je pensais que j'allais le tuer. Pas beaucoup de dégâts avec tes carreaux, toi. Hein. Pas l'ouvrir. Alors, je vais faire deux attaques dessus. Carreau à casser. Ok. Une attaque. Une, deux. Oh, ok, j'ai failli le rater à cause du carreau. Quand même, ok. Attends, attends, shotgun. Vas-y. Je vais pas aller dans le poison pour pas me rempoisonner. Ah, il l'a eu. Ah bah génial. Ah ça, ça m'aide tellement. Par contre, tous les carreaux, il y en a qu'un seul qui n'a pas cassé. Ok. J'ai 43 kilos. Genre 18, 17 plutôt. Maintenant moins. Ça va être facile hein, de progresser dans cet endroit. Toi, je peux t'ouvrir? Je peux t'ouvrir. Je sais même plus où j'en suis. Je vais mettre la carte là si j'y pense. Je prends l'oublier avant l'édition. Ok.
On est de l'autre côté de... Ouais. Ok, c'est bon. Donc là, on arrive au bout. Lui, c'est un problème. J'aimerais... On va y aller avec une grenade. Parce que lui, il est vraiment dangereux. Ok, one shot, parfait. Je veux bien sacrifier une grenade pour ça. Quoi? Qu'est-ce que... Tu sors d'où toi? Je t'ai pas vu. Voilà. Vraiment? Voilà. Hop. Fais pas peur comme ça le robot. Ouh, les caisses ont cassé la trompe sur l'armoire. J'ai mis le feu à toute la zone. Ouh, je crois que j'ai détruit beaucoup plus que ce qui était prévu. D'accord. Ah, il y en a un autre de vivant. Alors, c'est quel type? C'est ça. Voilà. Je crois qu'il y avait un bleu de l'autre côté aussi, hein, je crois. Je crois que j'ai oublié un bleu là. Parfois ça me... Ouais, même deux. Je crois qu'il y a un a été éjecté, hein, parce que je me rappelais pas de deux. Hop. On va mettre de côté toi, vu qu'on va servir ça comme explosif. Je suis surchargé. Mettre le plastique, on est à 35, l'argent. Il reste combien? Il reste 14, ça c'est 17 kilos. Okay. Alors toi. Non. Stock. Il n'y a plus de munitions? J'ai plus que 14 boulons. C'est tout? D'accord, c'est pour ça qu'il tirait plus. Peut-être je me dis qu'il vaudrait mieux... On va utiliser ces 14, après je les garderai pour les boss, parce que je sais pas si... ouais. Je commence à être fatigué, il va bientôt falloir rentrer également. Ça m'a attiré dessus. Tiens sur quoi toi? Ça. Arrête, tapez le casque. Voilà. Voilà. Je crois que j'en rate beaucoup. Ah, elle s'est pris. L'explosion. Bon, on finit de looter tout ce qu'il y a là. Je crois qu'il n'y a plus rien en ennemi. Je démonte les chaises. Pour du cuir. Et là, on va pouvoir faire le troisième de stockage. Quelques bidons également, ça nous fait du fer. Et il y a ce chemin là, mais on va rentrer
Parce que, ouais, je vais garder ça pour quand je vais revenir. Parce que là, je suis fatigué. Je peux améliorer. Oh! Comment je peux l'obtenir ça? Ah, il y a genre. C'est un pixel près. Ah, petit bandage. Bon, ok, suite. On peut améliorer notre sac. On doit pouvoir aller plus loin. Puis de toute façon, je pense qu'on a déjà bien. On a déjà bien progressé. Bon, ça, pour le moment, je m'en sors pas mal pour me repérer. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais j'ai réussi à retourner sans problème. Mais bon, c'est peut-être pas encore le pire labyrinthe. Alors, t'arrives le robot? Ok. C'est pas encore le pire endroit du labyrinthe, je pense. Alors, viens. On va te désactiver. Tu vas pas le ramasser même quand il est activé, parce que c'est le bouton R, c'est pas comme si je m'en sers beaucoup en le regardant. Ah, il faut une main vide, voilà. Du coup, hop. Hop. Ouais, on va vider de ça. Bah tiens, je vais ramasser. Alors, j'ai rempli ce sac. Et j'ai mis un peu dans celui-là. Alors, du coup. Tac, tac. Et le reste. Bon, j'ai fait le transfert. Il est temps d'aller dodo. Ah, il est quelle heure? 22h. Donc, si je dors 12h, je devrais me réveiller à 8h. Donc, on va se réveiller plutôt à 7h. Du coup. Hop, petite sieste. J'ai remarqué que le chargement dépend... Ouh, c'est vrai que de toute façon, ça sert à rien de se réveiller à 8h vu qu'il n'y a pas de lumière ici. Mais j'ai remarqué que le temps de sommeil, le chargement pour le temps de sommeil n'est pas le chargement de la zone, c'est le nombre d'heures que l'on a choisi. Si je choisis une heure, c'est quasiment instantané. Donc je pensais qu'en fait le jeu, je rechargeais quelque chose ou autre, mais en fait non, parce qu'il y a chargement écrit. Bon, alors, j'ai... produit 48 boulons, ça va pas suffire. Je pense pas que je vais les mettre dans son... Voilà, ça prend combien? 5 kilos. On va les mettre là, on va les sortir quand il y a un boss ou un combat difficile, parce que je veux pas les gâcher là. J'ai 50 flèches, c'est bon, j'ai assez de munitions, j'en ai même beaucoup trop de munitions. On va... je voulais pas retirer tout ça, je voulais retirer... Bah... est-ce que c'est contrôle et glisser? Je me rappelle plus, c'est quel bouton? Ah, bah ce que j'ai fait... C'est shift et glisser, ce que j'ai fait tout à l'heure. Je comprends pas. Là, on a 44 kilos bah, parce qu'on a du bois et tout sur nous. Alors, ce que je voulais faire, oui. Un autre sac. Donc, pour toi, c'est du cuir électrique et métal. Alors, tac, métal. Hop. C'est quoi d'autre? Et le cuir, oui. J'en veux 5. Voilà. Comme ça, on va pouvoir améliorer un petit peu plus notre robot. Et on va pouvoir avoir 160 kg sur lui. Il est costaud. Ah bah tiens, on va te récupérer. 160 kg sur lui. Et 60 sur nous. Donc 180 au total. C'est pas mal. Ah, t'as tué là-dedans. On se débarrasse du reste. Pas pour dire, mais notre pile de métal comparée à la pile de bois, bon, ça veut rien dire parce que il peut y avoir plus de métal par truc, mais par pack, mais là en fait, non, pas du tout. Hein. D'ailleurs, on va bosser un petit peu ici. Donc, on va mettre toi là. Et vu qu'on a rien là-bas, on va poser toi. On va mettre des fenêtres comme ça cette fois-ci. Voilà. Hop là. Ça a demandé pas mal de bois. Hein. On va voir si on peut faire ça. Donc du coup. Voilà. Ah, il faut également des plastiques. Ah, c'est plastique, on en a combien? On a un de plastique. J'ai si peu de plastique que ça. Alors, déjà, je peux boire. Oui, je peux boire. Ma principale source de plastique, c'est les bouteilles d'eau. Je pensais... Ah bah du coup je vais les garder, je voulais... Ah, c'est pas possible, j'ai mis du plastique là-dedans, non, il y a... Ah, oh, je voulais... Ok, bon, on va au moins finir ça. Il manque du métal. Ah, ça dépend en fait du type. Ok, comment je vais me séparer un petit peu de... Je peux faire ça le problème. Ok, on va te mettre là-bas. Là. Ah, il me prend plus petit tas, celui-ci. Celui-ci. Je peux pas. Là, je peux.
C'est quoi cette histoire encore? C'est les portes qui demandent du plastique, c'est ça? Le reste peut être, je pense, en plastique. Ça, ça a démonté. Plastique, ah oui. Et avec ça, le deuxième wagon est protégé, on va dire, entre guillemets, vu que de toute façon, il n'y a pas de risque, mais voilà. Hop, avec tous les murs, fenêtres de placer. Faudrait le toit encore, ça attend un petit peu. Alors, ce que je voudrais faire, c'est me servir de cet endroit comme stockage. Donc, si je regarde, je ne me rappelle plus si c'est de là. Meuble. Avec des portes, c'est tout. Je ne sais pas si ça permet de stocker. Décoration d'hiver. Voilà, et ça, c'est quoi ça? Réservoir d'eau de pluie. Ouh, la station requiert un toit avec collecte d'eau de pluie. C'est quoi le toit avec collecte... Oh, collecteur d'eau de pluie. Oh. Ok, bah on va le faire tout au bout. Allez, il faut du métal. Ou est-ce que je vais en avoir assez? Voilà. Est-ce qu'il est possible que je fasse un deuxième étage? Là, j'ai pas encore décidé. Donc, si tu préfères le deuxième étage au début du wagon et laisser la fin juste pour ça. Hop. En plus, là, c'est le seul mur complet que j'ai. Peut-être que je vais devoir mettre le collecteur d'eau de pluie dessus. Voilà. Alors, c'est quoi ce vent d'hiver? Oh. Voilà. Et donc maintenant, on va plus dépendre de l'eau que l'on trouve à l'extérieur. Ça, c'est pas mal, même si on a beaucoup d'eau. Mais en tant que survivant, on est obligé de se lancer dans quelque chose du genre. C'est obligé, hein, sinon, voilà, c'est pas de la survie. Si on n'a pas un collecteur d'eau de pluie. Super, 0 à 100 d'eau sale. Oh, ok, il va falloir la nettoyer. Bon, là, je pense pas que je vais ramasser beaucoup de l'eau, mais apparemment, il y a deux autres zones. Hein, donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais faire quelque chose... Ah oui, je voulais mettre mes meubles. Ok, ça, c'est pour plus tard. Les défenses, les décorations, c'est pas dans les meubles. Ok, donc c'est probablement ici. Alors je vais pas faire des étagères. Ok, c'est ça que je veux. Donc il me faut du bois et du métal. Bah j'ai pas eu du métal, j'ai plus de place, c'est pour ça. Bah, je vais faire un transfert temporaire là-dedans. Voilà. Plus beaucoup de métal. Plus beaucoup de métal. Faire 3. Allez, j'ai été fou, j'en ai même fait 6. Ça va là. On va te mettre à la place de... Non, plutôt. Voilà. Alors. J'aurais peut-être pas dû mettre les fenêtres là. Je vais changer ça plus tard. Je vais mettre des murs complets derrière. Encore un? Ok. Il va également me falloir un toit ici pour éclairer parce que... Ça viendra après. Alors, du coup, d'ailleurs, je me demande est-ce que je peux empiler les murs. On va juste essayer pour voir. Ah, je préfère un wagon. Deux étages, mais pas de sol, vous voyez. Ah, ça pourrait être marrant, ça. Ah, du coup, alors. Bois. Ouais. Ok. Fer. Pièce. On peut mettre d'accent, on va pas s'embêter. Pièce. Plastique. Oula, ok, je suis en QWERTY, c'est vrai. Hop. Voilà. Ici. On va mettre. Au dernier, on va mettre divers. Voilà. Et si j'ai. Et si j'ai une autre catégorie, je vais la mettre là. Voilà. Bah, c'est pas mal. Donc on va bouger tout ça de là parce que ça, c'est vraiment pas. C'est vraiment pas un bon système. Et je vais du coup déplacer les tables de craft si je peux ici. Ouais, on va tout mettre là, et là ça va être, je sais pas ce que ça va être, ça va être quelque chose, voilà, donc en tout cas on va s'arrêter là,
Merci à vous d'avoir regardé. À nouveau, j'espère que cet épisode vous a plu. Hop. Et je vous dis à bientôt dans un autre épisode. Pensez au petit pouce bleu si vous voulez bien, si vous vous amusez, si vous passez un bon moment, ça fait toujours très plaisir. Allez, bye bye.